Nous sommes vraiment actuellement, en très peu de temps, devenus une civilisation entière droguée aux combustibles fossiles. Comment allons-nous, dans nos civilisations occidentales, mais disons industrielles, pas qu'occidentales, nous priver des 450 esclaves énergétiques ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire des 450 esclaves énergétiques ? En fait, c'est un concept qui a été lancé par un de vos compatriotes, d'ailleurs, un ingénieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, et qui a fait le calcul que toute l'énergie que nous employons au quotidien sous toutes ses formes correspond au travail physique de 450 personnes qui bosseraient pour chacun de nous jour et nuit. Ça, c'est l'espèce de gabégie d'abondance énergétique dans laquelle nous nous situons maintenant, grâce aux combustibles fossiles, qui étaient une ressource abondante et extrêmement facile à utiliser. La question qui se pose maintenant, c'est comment on va pouvoir faire, est-ce qu'on va vraiment pouvoir maintenir ces 450, ou plutôt, est-ce qu'on va pouvoir inventer un mode de vie qui en consomme beaucoup moins pour pouvoir nous brancher, par exemple, sur le flux solaire sous toutes ses formes ?